Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment de ces créatures que j'ai vu tout à l'heure. Tant qu'il y a des œufs partout. Wow. C'est vraiment moche. J'ai trouvé au cas où tu aurais besoin d'aide. C'est facile, c'est un monstre sorti de la lave. Je sais ce que c'est. J'ai souvent vu dans les textes de l'ancienne civilisation du peuple marin. La créature soit connue sous le nom de Yaoi. Une ancienne bête légendaire, toujours vivante. Elle est beaucoup plus grosse. Enfin, l'ancien peuple marin m'a parlé d'une vieille expérience. J'ai absorbé l'arbre divin et l'énergie géothermique pour devenir aussi grosse. Voilà un vaincre pour stabiliser l'arbre divin. Dave, je compte sur toi. Quoi, comment je puis vaincre une ancienne créature aussi énorme? Tu as tué un dinosaure il y a quelques instants. Oh, c'était une situation différente, j'ai même plus d'armes ni de balles. Dame, l'arme n'est-elle pas ici? Un œuf, de quoi parles-tu? Je l'ai dit, ce drone a toutes sortes de fonctionnalités cachées. Je savais que ce jour viendrait, mais c'est un peu plus tôt que prévu. Contre le code d'activation pour le mode attaque du drone. Oui, il peut faire ça! Le drone peut maintenir le niveau d'oxygène, tirer des balles illimité et même contrôler le temps. Contrôler le temps? Oui, si tu appuies sur ceci, tu peux temporairement contrôler le temps. Ça devrait te donner du temps pour esquiver les attaques. Bien sûr, tu dois être rapide. C'est peut-être que je peux t'apporter pour l'instant. J'espère que nous n'aurons pas à faire nos adieux définitifs. Bye non, see you, gay eternity. Comment ça marche? Genre, ça marche comme une arme normale, en fait. Anomako. Ouais. On va en faire maintenant après avoir... T'es arrivé si loin, très bien, réglons ça. Bon alors comment ça marche? Ah ok, c'est un jeu comme ça. Ah oui, bah du coup ça devrait aller je pense. Enfin, pour moi, ouais. Je comprends pas trop les mouvements des trucs. Ah. Bah, c'est une petite P2 du coup. Le niveau d'attaque actuel pourrait ne pas être suffisant. Cet ennemi est plus curieux que nous le pensions. Je ne voulais pas aller que là, mais débloquons le limiteur. Quoi, ne sais-tu pas fait dès le début? Ça, sa cape maîtresse, c'est le début d'une partie. Regarde ça. J'appelle Stella Laser. Bien sûr que dans toute notre technologie, je n'aurais jamais pensé l'utiliser sous l'eau. Attention. Tu maintiens le bouton possible pour accumuler l'énergie de Stella. Avec le bouton pour tirer. Facile, non. Mais garde l'esprit que tu te déplaceras plus lentement pendant le chargement. Sois plus droit. Laser qui charge et qui tire, hein. Super, bien sûr avec ça. J'arrive pas à voir combien ça fait de dégâts. Ça se trouve, je me dis, tirer normalement. Oh, limite, c'est finalement 20 tirs comme ça, ça va vite aussi. Hein.
ça touche seulement qu'une seule partie, au moins là, comment t'es... plus mobile. C'est-à-dire c'est stylé, ouais. Je suis pas sûr qu'on y gagne spécialement à utiliser le laser. Oh, elle décide de s'enfuir. Si nous ne tuons pas maintenant, elle continuera à causer des problèmes. Mettons aussi un terme une bonne fois pour toutes. Moi j'aime bien un autre comme ça, un shooter. Ah bah ça continue, parfait. Je le sentais, mais ouais, je sais pas, ce que je vais branler. Ok, pour l'instant tout va bien. Je peux y garder le drone après, c'est vrai. Je peux le traquer. Je suis enfin fatigué, c'est notre chance, Dave. Nous devons mettre fin. Ah, bon, peut-être pas en fait. Oula. Non, le drone. Il aura bien vénère encore. Walt, ça n'avait pas eu de feu. Allez, t'y cédé à la force. Dave, déplace-toi vers ce chemin ouvert pour l'instant. On va pas tenir encore longtemps. On va fuir pour la fin, c'est ça. C'est la place que dois-je faire? Mais lui un méga laser, t'es là mon cul. Hein. Le cul, merde. La créature est prise au piège dans l'arbre d'Ivar. Vous en rêvez de l'achever. Le drone semble mal fonctionner, j'arrive pas à capter le signal de l'arme. Et bien que dois-je faire, est-il quelque chose d'utile ici? Il y a un appareil de l'arbre d'Ivar là-bas. Le fruit de l'arbre d'Ivar semble être revenu à la normale. Et si je le place dedans, il active. En ce moment, je peux pas le dépasser et le diriger tout seul. Voilà. La team qui arrive.
Damien Emma, oh le peuple marin, tu es venu ici parce que tu n'es pas remonté malgré que l'arme divine se soit stabilisée. Si, ah oui! Parce qu'elle a grandi autant pendant tout ce temps. Si nous devons vaincre cette créature pour mettre fin à tout ça. C'est notre chance pendant qu'elle est attachée et finit son sang. Ce n'est pas suffisant, à moins d'utiliser l'appareil de l'arme divine là-bas. Mais compte tenu de mes connaissances physiques et en mathématiques, il semble que nous devrions juste ajuster l'angle de l'appareil vers le haut. Bien, ça pourrait marcher, mais ça a l'air incroyablement lourd. Nous allons aider. Si nous sommes 5 à rassembler nos forces, nous pouvons y arriver. Porte le fruit de l'arbre divin et mets-le dedans, il n'y a pas de temps à perdre. Oh, ils sont balèzes. Vite, dépêche-toi. Rayon magique. Rayon magique. D'accord, je suis prêt. L'appareil répond. Il est temps de mettre fin à notre longue histoire. Espèce de nuisible, prends ça. Ah. Non. J'ai été trop méchant, non. Ah oui, d'accord, ça a été bien explosé, quoi. C'est juste, elle se remettra jamais pas de cet état. Oh, tu vois, j'ai vraiment été incroyable. J'ai du bon travail, Ima. Retournons au village du peuple marin et discutons. Ah d'accord, on laisse... Ok, je sais pas. Ouais, les bisous d'un maniaque. Ouais, bah, GG, ouais, je sais pas si c'est terminé ou pas. Ça a l'air, mais... La température de l'eau s'est stabilisée et le fruit de l'arbre divin est également en bon état. Je vois qu'il était malade, semble aller mieux petit à petit. J'ai été confronté à de nombreux défis, mais c'est un soulagement que nous ayons réussi à les surmonter. Je pense que les tremblements de terre sur le continent vont aussi s'arrêter. Faut monter voir pour vérifier la situation. Au travail, Ima, viens nous rendre visite souvent. Mi. Épilogue. Oh, on va le garder, le... De toute façon... C'est déjà le soir, la journée était longue. Je suis passé chez Bancho Sushi. On n'a pas le choix. Avec mon beau bateau de Weeb. Il y a tout le monde. Enfin, il n'y a pas d'œuf, mais... Mais t'es en fin de retour. Oh, tout le monde est réuni ici. Venez de raconter, tu as accompli beaucoup de choses. Tu as fait du bon travail. Et si on se détendait aujourd'hui et qu'on mangeait ensemble? Oh, génial, je craignais de devoir me remettre directement au travail. Super, nous devrions célébrer tous ensemble. Ah, je t'en reparle à tout le monde. Moi, tu es mignon. Ça va, Bancho Sushi. Comment vas-tu, Sammy? Tu apprécies ta vie ici? Je peux le dire, il y a des moments où je m'ennuie un peu, mais c'est aussi incroyablement inspirant, yo. La chanson que j'ai récemment mise en ligne, Papa Fermier, a reçu de très beaux commentaires, tu sais. Donc tu connais toujours à faire de la musique, hein? Bien sûr, je sens de la houe dans le chant, le cri du coq, tout ça. Forme un seul rythme pour moi, yo. Pourquoi n'est-il pas venu en personne? C'est j'attends un colis important aujourd'hui. T'es inspiré de loin par ta bravoure, Dave. Non, tu as combattu sans relâche pour sauver le village du peuple marin. Tu étais une jolie fille, j'aurais peut-être rejoint ton fan club. J'aurais toute mon énergie à la recherche d'armes pour me préparer aux crises à venir. En tant que collègue, je compte sur tes efforts continus d'aide. D'accord. Ah, vrai festin. Tu es toujours si occupé, nous avons à peine eu le temps de discuter. Tant que les choses se calment, j'aurais tout le temps de partager avec toi encore plus d'histoires. Donc où je plongeais, je pratiquais surtout la plongée en apnée. Je portais des colliers que mon père m'avait offert, mais les barracudas ont tendance à attaquer tout ce qui brille. Soudain, un banc de barracudas s'est jeté sur moi. Puis encore, j'avais même pas de harpon ce jour-là. Puis que fuir serait plus dangereux, alors j'ai nagé tout droit vers les barracudas. Moi, je crois que le sol vient de trembler. Ah, quoi, j'ai rien senti. Dave, tu as vraiment travaillé dur. C'est gratifiant de voir ton entreprise prospérer. Prendre partie grâce à vous, pour avoir fourni un personnel aussi fiable. J'ai dû avoir beaucoup de choses à gérer, mais maintenant j'espère que tu pourras soutenir Bancho dans la gestion efficace du restaurant.
Watcho peut être un peu têtu, mais il risque d'avoir des problèmes s'il est livré à lui-même. C'est vrai. Aidez, Fanel a vraiment contribué à élever mon statut au sein de l'entreprise. Nous avons maintenant un nouveau journaliste qui allège un peu ma charge de travail. Je peux même me permettre de participer à ces soirées. Si je ne peux pas boire de bière, je me contente de boire des boissons non alcoolisées. Je suis heureux d'entendre que j'ai été utile. Donc vous n'avez plus besoin de mon aide pour les reportages, n'est-ce pas? Que parles-tu? Je ne sais toujours pas plonger. Ah, si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, je viendrai te chercher. Travail, Dave, j'ai ouvert un magasin ici uniquement parce que cet endroit regorge le poisson. J'aurais pu imaginer qu'il y avait un tel secret. Bah, tu as résolu le problème, et mon entreprise prospère maintenant. Je pense que ma décision était la bonne après tout. C'est une expérience amusante, venir ici était une bonne idée. Je pense partir à la recherche d'une autre aventure. Comment suis-je? Pour nous, pour l'instant, Cobra. C'est pas que tu me vois dans le magasin, n'est-ce pas? Eh bien, je viens de soumettre ton article, je suis donc un peu libre. Bien, je suis content pour toi. Sakiko là-bas, je l'ai jamais vu auparavant. Ah, tu as de bons tuyaux, c'est la récompense pour avoir atteint le niveau maximum d'Eco Watcher. Est-ce qu'il imprime le visage des utilisateurs engagés dans la protection de l'environnement sur un sac? J'ai vraiment beaucoup travaillé depuis que tu as eu le temps de libre. Je peux pas rester à la traîne. Oh oh oh! Ah, Sato, tu es venu aussi? Ah, j'ai entendu dire que tu t'aventurais dans les glaciers pour collecter des Barenka et je me suis dit que j'allais te soutenir. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai, mais ah, grâce à toi, mon classement mondial ne cesse de s'améliorer. Maintenant que le grand événement est derrière nous, voyons comment rassembler le reste des Marenka. Oups, je viens de me rappeler que j'ai oublié d'éteindre les lumières après que Gaio se soit endormi. Et je suis toujours pas d'accord avec ce qui s'est passé. Pas seulement la civilisation du peuple marin, mais aussi le village. J'ai même résolu leur crise, votre travail. C'est maintenant de regarder cette civilisation secrète. On doit maintenir la paix qu'ils ont retrouvée. Merde. Désolé de ne pas avoir pu t'aider, j'étais occupé avec le restaurant. Tu peux pas le tuer, Pancho. Le peuple marin a adoré ta cuisine. Dans ce cas, j'en suis ravi. Maintenant qu'il n'y a plus de tremblement de terre, mettons-nous au travail. Oh bah sans, je suis seul ici ce soir. Je suis venu ici pour évaluer votre restaurant aujourd'hui, donc ne vous stressez pas. Détendez-vous. Quand je dis en paix, je peux davantage apprécier les saveurs complexes. C'est délicieux. Je peux de l'entendre. Je suppose que les préjugés se sont dissipés. Mais il est indéniable qu'il y a un léger changement de goût. Vraiment, le goût a changé. C'est un peu plus doux. On va dire que c'est plus délicat. Avant, les plats débordés de style volontaire du chef, mais maintenant, cela semble plus adapté aux besoins du consommateur. Intéressant. Donc cela se traduit également dans le goût. C'est peut-être que ma perception. On a quoi encore après? Ouf, c'est bien plus difficile que je le pensais, mais au final, j'ai rencontré beaucoup de personnes sympathiques. La croissance, c'est une aventure amusante. J'aurais jamais visité un endroit comme le village du peuple marin de toute ma vie si je n'avais pas eu cette opportunité. D'accord, attendons-nous et partons pour une autre plongée passionnante. Yay! Yay! Petite bière. Ma petite photo. Fais un coucou à la caméra. A Thief Survivor. Oh, c'est le livreur. Ah! Ah, les petites statues de Dave. Incroyable. Oh! Oh! Les statues de Jade. Il est trop mignon le chat. Ah, business, time to business. Ça retremble. Oh.
Ah! Qui c'est que c'est Beans? Ah, c'est le crédit! Ah! Pourquoi ils ont fait ça, bordel? Il n'y avait pas besoin de faire ça!